Coucou mes habitorfistes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, hein? On est en week-end, donc très bien. Bon courage à ceux qui travaillent le samedi et dimanche, hein, parce qu'il faut des gens aussi qui travaillent un peu le week-end. Donc courage à ceux-là. Voilà, nous, on va faire de suite ce débriefing du quintet du jour. Donc on se retrouve pour ce débriefing du quintet du jour. Donc comme d'habitude, on va regarder les derniers mètres de la course. Juste, qui va certainement terminer vite. Ligne droite finale, Domino Dream qui va tenter de résister à Giovanni Bianco qui est lancé. Dante Saluste également à l'extérieur, mais ligne droite, Domino Dream qui va lutter avec Giovanni Bianco qui remet un petit coup de rein. Giovanni Bianco et Domino Dream, bien sûr, qui lutte toujours pour la victoire. Domino Dream qui résiste à Giovanni Bianco. Domino Dream qui a fait un truc aujourd'hui. Accroché à un tour du but, il gagne. Donc voilà, on a vu comme d'habitude le vendredi soir avec quelques surprises encore. Donc le gagnant, Domino Dream avec Lionel Bourgeois. Sacré perf, d'autant qu'il a été accroché, est bien revenu, troisième épaisseur. Franchement, voilà, très bon Domino Dream et mérite sa course. Qu'on avait dans l'outsider, après il y a ce 7 qui finit deuxième, Giovanni Bianco, qu'on avait dans nos bases. Après les trois autres, des très beaux outsiders. Hein. Il y avait ce 5 avec Lonconeu, donc Kiss Smith 11 avec Verba, et ce 16 qui vient arracher la cinquième place à Don Saluste qui a été disqualifié après Allure. Donc ce 16 avec Mathieu Moitié à très belle cote. Donc comme je vous ai dit, le vendredi soir, c'est souvent des quintés rémunérateurs parce qu'il y a beaucoup d'outsiders à l'arrivée. Donc au moins, on a le 7 et le 3. Et bon, on a un 2 sur 5. Ouais, un 2 sur 6, je veux dire, c'est pas top top. Hein. Voilà. On se retrouve pour ce quintet de demain, ça sera le prix Hautefort. Ça sera sur les 2100 mètres grande piste, Autostar. 16 partants, que des mâles. Voilà, des chevaux qu'on connaît très bien. Donc c'est parti pour nos pronostics. Donc le pronostic pour ce quintet de demain, ça sera avec mes trois bases, le 9 Bruxelles avec Björn Goop, spécialiste du parcours, c'est du 2 sur 2. Il a fini une fois premier et deuxième. Encore de la marge pour gagner ce quintet. Le seul hic, ce numéro 9. Je fais confiance au driver. Numéro 5, Canular avec Yo-Yo Johan Le Bourgeois en forme. Vient de gagner le quintet de ce soir. Il est préparé pour, c'est son premier objectif. Le 13, Caillou des Bosques, mon coup de cœur. Meilleur chrono du parcours, 1-11-1. Gabriel Angel Poupou. Et on va dire que c'est son meilleur élément de son écurie. Voilà. Mais d'outsider, je mets ce 4, Casting du Chénu, Eric Raffin, Déféré des 4. Voilà, je pense qu'ils ont tout mis en mode course pour faire une belle prestation. Je mets ce 3, Altius Fortis, attention à lui, Philippe Mascal, adore les parcours de vitesse, Autostar, adore les 2100 mètres, grande piste à Vincennes, pour une surprise, attention à lui. Et je mets ce 2, Peggy Dash avec Philippe Dojard, écurie très en forme. La dernière fois, il a affronté un lot plus compliqué. Donc, je pense qu'il descend nettement un petit peu de catégorie. Il peut créer une surprise à belle petite cote. Voilà. Donc, en bas, vous avez mon tiers écarté quinté en 6 et mon 2 sur 4 couplé gagnant placé. On se retrouve pour ce challenge 2 sur 4 du mois de décembre. Donc, ce soir, on avait fait le 7 Giovanni Bianco avec ce 2 au pas au pas. Donc le 2 qui finit à la ramasse, hein, qui finit 12e. Donc un 2 sur 4 qui passe pas. Donc on va dire que c'est une semaine un peu compliquée parce que ça fait déjà 6 jours que le 2 sur 4 ça va pas rentrer. Mais bon, on garde espoir. Et demain, on va faire ce 2 sur 4 avec Bruxelles, avec Björn Goop. Je pense qu'il a encore de la marge pour gagner ce quintet, donc on va être au moins de la 2 sur 4. Et on va l'accompagner avec Canular. Je pense que c'est un objectif pour ce cheval-là. Préparé pour. Numéro 5, Terre Autostar, Déféré des 4, Johan Le Bourgeois. Voilà. Et j'espère que ces deux chevaux vont me lancer un peu ce 2 sur 4. Voilà. Donc nous, comme d'habitude, les amis, je vous dis bon jeu et bon pronostic. Et à demain.